Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver en direct pour une soirée qui s'annonce grandiose, un vrai match de football. Il y a vraiment beaucoup de talent ce soir sur la pelouse. Christian, à mon avis, vu l'échauffement des deux équipes, ça va donner ce soir. Hein. Vous avez vu comme il s'est accéléré pendant une demi-heure, à mon avis le match va démarrer au coup d'envoi. À quelques secondes du match aller du tour préliminaire, les supporters des deux équipes présents dans le stade encouragent chaleureusement leur équipe. Et les joueurs vont sans nul doute leur offrir une belle récompense. Un match d'une intensité incroyable. Vous savez, sur le plan statistique, il est toujours prouvé que c'est bien de démarrer la Ligue des Champions à domicile, devant son public. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait un beau spectacle. A priori, on ne devrait pas s'ennuyer. Ah là là, une occasion en or. Il vise la cible. Belle tentative, mais c'est hors du cadre. Même si le tour n'est pas cadré, c'est pas grave. L'important, c'est de s'installer dans le cas adverse d'entrée de match et de les obliger à défendre. Cette attaque ne donnera rien. Forlan. Intervention régulière, l'arbitre laisse jouer. Raúl Garcia. La menace est écartée. Simão. Raúl Garcia. Ça ne fonctionne pas. Attention en défense, ça va aller très vite. Mais où est la défense? Le gardien remet de l'ordre. Bernia. Raúl Garcia. Pablo Ibáñez. Ujvalusi. Bien joué. Peut-il marquer? Superbe défense ici. Raúl Garcia. Joli duel, le ballon est gagné. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Que va-t-il faire? Le portier le laisse échapper. Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles.
Et juste au moment où il allait marquer, il a complètement dévissé son tir. Ah, je peux vous dire, le connaissant, qu'il ne va pas être content de lui, surtout de ses pieds. Raúl García. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Raúl García. Ils ont toujours la maîtrise du ballon. Simão. Raúl García. Ils ont toujours le ballon, c'est vraiment bien joué. L'attaque ne donnera rien. Luis García. Antonio Lopez. Ce contre peut amener très loin. Encore une belle occasion. Oh, ça va vite. Et but ! Ils sont bien rentrés dans ce match. C'est toujours important de marquer au début. Vous avez vu, Christian, il n'a que le dribble long qui te permet d'éliminer plusieurs joueurs. Et en réussissant celui-là, il a surpris l'adversaire, ses coéquipiers et le gardien avant de marquer ce but. C'est son troisième but au cours du tournoi. L'équipe peut compter sur lui. Il est en très grande forme. Il mène grâce à ce but. Voilà qui va faire plaisir aux supporters. Ça, ça va donner de l'élan à l'équipe et ça va les pousser à essayer d'en marquer un autre. Et il y a encore du temps à la pause. Une solide défense ici. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. Il est face au gardien. Le ballon passe au-dessus, il faut viser le cadre. C'était un deux face à face. Dommage, il avait peut-être la possibilité de mettre entre les jambes du gardien. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Forlan. Il a été devancé sur le ballon. Forlan. Super contrôle du jeu. Raúl García. Ujvanusi. Raúl García. Simão. Et Raúl García. Forlan. Cela manque de précision pour inquiéter le gardien. Et quand je vois sa frappe aujourd'hui, je le connais bien, c'est mon pote. Et quand je sais que son pied gauche, il est circamonté dans le bus. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Il n'y a plus que le gardien à passer. Le but est marqué. Le but est valable. Il double la mise au cours de cette première période. C'est vraiment bien joué. Je ne sais pas s'il a marqué du pied droit ou du tibia, mais en tout cas, c'est plutôt efficace. Il y a une véritable communion entre les joueurs et le public. C'est impressionnant à voir une telle ambiance. Une avance de deux buts maintenant.
Ouais, c'est vrai qu'avec une avance de 2 buts, une équipe peut se relâcher. Donc un but juste encaissé par l'adversaire. Et là, tout le match est relancé. Un bon moyen, c'est sûr, c'est d'aller chercher un troisième but avant le retour. Ils peuvent construire quelque chose. Forlan. Bien vu de la part du défenseur qui dégage en corner. Le ballon est dans les airs. L'arbitre leur a accordé un nouveau corner. C'est un tir brossé. Ça peut être extrêmement dangereux. Il tente à nouveau sa chance. Oh, c'est mal joué, c'est encore trop loin du but. Mais ouais, il a raison le gardien, il faut qu'il bouge les défenseurs, il laisse trop jouer, il faut qu'il monte en pressing sur les attaquants. C'est un ballon gagné. C'est pas mal sur le plan défensif. Oh, que ça va partir, Luc. Non, il a manqué la cible. Il avait fait le plus dur, il s'était créé l'espace. C'est vrai qu'il était un petit peu loin du but, mais ça aurait pu surprendre le gardien. Ah, je pense qu'il aurait aimé marquer de là. Et Agüero. Et Raúl García. Ce contre peut être redoutable. Action dangereuse. Le gardien a dévié la balle, corner. Joli ballon au premier poteau. Il va prendre sa chance. Quelle sûreté dans ses gestes. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Et si la défense ne fait pas un pressing plus haut sur les attaquants, je peux vous dire qu'il va y avoir des tirs qui vont partir de tous les coins du stade. Que ça va partir vite. Nouvelle occasion de centrer. Il peut frapper. Il écarte le ballon des points. C'est la panique totale dans les cages, mais les défenseurs sont venus à la rescousse de leur gardien. Superbe, il y a vraiment des ballons qu'il ne faut pas rater. Forlan. Agüero. Il reprend le ballon. Partir en contre, c'est toujours payant. Il est vraiment très loin. Arrêt du gardien. Bernia. Raúl García. Le duel est remporté, c'est bien. Oh, il y a un bon coup à jouer. Bien joué de la part de la défense. Agüero. Sur 15 mètres, il est imbattable. Bien joué. C'était là l'occasion de marquer un but, mais le défenseur a dégagé en corner. Qui va le prendre dans la surface?
Ce contre peut être redoutable. Encore une belle occasion. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Forlan. Simao. Bien défendu, le ballon est récupéré. Presque 30 minutes écoulées. Il était bien placé pour l'intercepter. Forlan. Luis Garcia. Il lui faut un espace pour cadrer. Nouvelle occasion de centrer. Attention, c'est parti très vite. Le tir est décoché. Il frappe directement. En plein cœur de la surface. Oh, c'est encore au fond. Il mène 3-0 au cours de cette première mi-temps. Et même si la défense a fait une erreur de marquage sur ce but, on a vraiment l'impression quand même qu'il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. C'est donc son deuxième but au cours de cette compétition et cela fait déjà son bonheur. À 3-0, il n'a même pas l'air de vouloir se relâcher. Ah là, ils sont complètement en train de se balader. Des occasions en veux-tu en voilà. Là, ils sont concentrés, les affaires sont faites. Le seul danger, c'est d'être trop confiant. Alors, cette équipe-là, à mon avis, ça risque pas d'arriver. Il doit la mettre au fond. Il reprend le ballon maintenant. Quel tir! Belle tentative, dommage. Mais elle n'est pas assez précise. Ah, il n'a pas de chance. S'il avait réussi sa frappe, on avait vraiment senti que le gardien était à la pêche. C'est imprécis, manque de concentration. Ah ouais, là il y a le gardien qui est en train de remettre un petit peu en place les défenseurs. Il laisse trop jouer, donc il y a des frappes qui arrivent trop souvent en ce moment. Forlan. Ça manque un petit peu de créativité devant, autant frapper de loin. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. En plein dans le mille. Imaginez la joie du buteur. Ce but vient vraiment récompenser ses efforts. Avec un tel sang-froid, il a dû s'entraîner chez les Esquimaux. Il n'a laissé aucune chance au gardien dans ce face-à-face. Il est tout simplement intenable. 7 buts au cours du tournoi, il va rentrer dans la légende de la compétition. Une différence de 2 buts, ça peut suffire. C'est peut-être pas le bon moment idéal pour créer un but, mais ils ont quand même leurs 2 buts d'avance. Donc, il faut faire attention à ce genre de match. Ils doivent rester ferme au moins jusqu'au repos. Blocage incroyable.
Quelle erreur de la défense, c'est dangereux. Oui, c'est au fond. 3 buts d'écart à présent. C'est bien ça. Et avant même de recevoir le ballon, il savait où il allait le mettre avec son pied droit. 2 buts au cours de cette compétition, c'est vraiment bien. On est en train de découvrir ce joueur. L'avance est plutôt confortable, 3 buts, ça devrait largement suffire. Ah, ils sont rentrés dans le match comme il le fallait, avec détermination depuis le coup d'envoi. Ils ont franchi les arrières du camp adverse assez régulièrement. Si ça continue, ça pouvait se transformer complètement en déroute. Luis Garcia. Raúl Garcia. Agüero. Une belle frappe, c'est avant tout une frappe cadrée. Ah, je crois qu'on l'a laissé un petit peu trop jouer là. Il a réussi à frapper, la défense aurait dû monter sur lui un peu plus tôt. Et le goal le laisse tomber. Il a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Ballon aérien. Ils ont bien flairé le danger. Raúl Garcia. Antonio Lopez. Bon travail et bonne possession du ballon. Il doit trouver une solution. Pas de doute, il sent la pression maintenant. Ce ballon est bien haut. Et c'est dégagé. Dans 5 minutes, l'arbitre va renvoyer les équipes au vestiaire. Encore une belle occasion. Jalousie. Bernier. Il pourrait changer l'orientation du jeu. Il renvoie le ballon au portier. Maintenant qu'ils ont le ballon, ils arrivent un peu à le conserver. Ça peut suffire. Il faut essayer d'atteindre la cible. Ah ouais, il a raison le gardien. Il faut qu'il bouge les défenseurs. Il laisse trop jouer. Il faut qu'il monte en pressing sur les attaquants. Bon pressing. Le joueur récupère le ballon. Antonio Lopez. Au niveau de la circulation du ballon, il n'y a rien à dire, mais maintenant il faut être super réaliste. Et Pablo Ibáñez. Il ne se précipite pas, c'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule bien. Encore une occasion de centrer. Peut-être marqué. Ça va peut-être rentrer. À un poil près, c'était dedans.
L'arbitre regarde sa montre, il reste quelques secondes seulement. Pressing super efficace. La balle change de propriétaire. Il lui a piqué le ballon. C'est la fin de la première mi-temps. Certains joueurs ont l'air fatigués. Le repos va leur faire du bien. Et je pense que maintenant l'entraîneur va lâcher la cavalerie. Ça va attaquer de tout va. Je pense qu'on va voir monter les ailiers, les latéraux et peut-être même le gardien. Les supporters vont pouvoir discuter du score à la mi-temps. 4-1. Attention aux premières minutes de la seconde période car ils sont connus pour être en forme à ce moment-là. L'équipe mène. L'entraîneur devait être satisfait de ses joueurs. Il n'a fait aucun changement. Et Simao. C'est un défenseur qui est venu prendre le ballon. Nouvelle occasion de centrer. Pas moyen de passer cette fois. Bien joué, ça peut faire un contre. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. La domination est totale, c'est presque de la passe à 10 et on va peut-être voir encore un but. C'est Mao. Attention le défenseur, il faut revenir. Raúl Garcia. Pernia. Et Pernia. C'est un défenseur qui récupère le ballon de façon admirable. Il va pouvoir marquer. Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Le ballon frise le poteau gauche. Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs. Il a raison. Hein. Si on lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match. L'attaque ne donnera rien. C'est pas idiot, on essaye de construire en jouant d'abord derrière avec une belle sérénité. Raúl Garcia, auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Il a dégagé. Farlan. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. Agüero, juste au-dessus de la barre. C'est impossible de marquer de la langue de trop fermée. Attention, le ballon a été perdu. Agüero. Très bonne anticipation du gardien de but. Pour Raúl Garcia. Encore une belle occasion. Bien défendu. Il l'emporte dans ses duels aériens. C'est bien de la part du défenseur. Au second, il me semble bien mené. Face à face avec le gardien. Oh oui,
Franchement, c'est trop bien joué. Et désormais, l'écart se creuse. J'aime ce genre de but, car il faut oser le tenter. Moi, je me rappelle, avec ma frappe de Timon, j'aurais jamais pu faire ça. Mais lui, c'est un killer. Et il a toutes les raisons de tenter ce geste. Il réalise vraiment de belles choses. C'est un travailleur infatigable. Et c'est bien qu'il soit récompensé par ses deux buts. C'est presque un match à sens unique. Ça, c'est le match idéal. J'ai jamais vu une équipe autant torturer ses adversaires. Pour Simão. Et Luis Garcia. C'est beaucoup trop physique, coup franc. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Tire à ras de terre, capté par le gardien. Quelle occasion en or! Cela manque de précision pour inquiéter le gardien. Comment il a fait pour atteindre un tel but? Il a fait la différence, il se trouve en face à face avec le gardien, il manque la finition. Oh, il a mis les chaussures à l'envers ou quoi? Forlan. Luis Garcia. Pablo Ibáñez et Raúl García. Joli dédoublement. Pour Antonio López. Forlan. Belle combinaison. Des claquettes comme ça, on en redemande. Bonne défense. Va-t-il y avoir but? Bonne interception. On peut relancer. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. On se contre, il peut mener loin. Le dernier face à face. Le gardien l'a détourné en corner. Ballon brossé vers le but. La touche est concédée, elle peut être dangereuse. Nouvelle occasion de centrer. La touche finale laisse vraiment à désirer. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Bien défendu, le ballon est récupéré. Cinema Kongol. Forlan. Bien joué. Tentative pour passer la défense. Bon pressing. Le joueur récupère le ballon. Va-t-il trouver le bon timing? Sans problème pour le gardien qui a bien vu que ça passait à gauche. Et si la défense dort maintenant, ils auront plus rien pour la sieste. Si tu laisses frapper, heureusement qu'il s'est passé à côté. Allez, allez, allez.
Bien joué de la part des attaquants. C'est du bon boulot. Il y a presque une petite touche d'arrogance. Il ne lâche rien et monte vers les buts. C'est malin. Il a mis le pied sur le ballon. Et Raúl Garcia. Pour Forlán. Il est dans la surface. Ça manque de précision. Et malgré son Bufala, il a quand même raté le cadre de peu. Il peut marquer. Il l'a mal capté. Ils peuvent construire quelque chose. Il va pouvoir marquer. Il prend sa chance. Interception de la défense. Attention à ses fautes, Couffrant. Bon, qui va le tirer? Le gardien a remis de l'ordre. Forlán, Sinama Pongol, Bernia, oh, ce ballon va remonter très vite. C'est trop trop chaud pour le gardien. Super claquette du gardien. Oh oui, en plein dans le mille une nouvelle fois. Oh, mettez-vous deux secondes à la place du gardien. À mon avis, il en a ras-le-bol. Ça, c'est une grosse erreur de gardien. À mon avis, il a regardé tout sauf le ballon. Et il a permis à l'adversaire de pousser le cuir au fond. C'est un doublé et franchement, il n'y a rien à dire car il fait tout le boulot aujourd'hui. Forlán. C'est un ballon gagné. Duel remporté par le défenseur. Forlán. Quelle occasion en or. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. La balle s'approche du but. Oh, que ça va partir vite. Il y a trop d'effet dans ce ballon. C'était bien d'essayer une frappe comme ça, mais bon, c'est le genre de frappe qu'on ne marque pas tous les jours. Sinama Pongol. Ils ont toujours la maîtrise du ballon. Sinama Pongol. Ah, quel dommage. L'arbitre a levé son drapeau. Le contre, c'est une arme redoutable. Il y a du but en l'air. Le gardien relâche le ballon. Le portier détourne en corner.
Il joue au premier poteau. Quelle bourde de la défense, c'est une occasion en or. Nouvelle occasion, mais ça manque de finition. Ça, c'est vraiment la frappe ratée, alors je pense qu'il avait le temps. Nous nous approchons du dernier quart d'heure. Raúl García. Heureusement qu'il était bien placé. Et ils obtiennent un corner. Ballon travaillé vers la cage. Le gardien a fait le ménage. Pour Raúl García. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Action dangereuse, il peut marquer. Il fallait la boxer celle-là. But ! C'est au fond des filets. L'arbitre valide ce but. Et ce joueur est toujours très adroit devant les cages. Et à mon avis, si le gardien attend tranquillement que le ballon arrive, il ne vaut pas le faire avec ce genre de joueur. Au moins maintenant, il le sait. La foule semble extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception. Peut-il marquer? Ils ne marqueront jamais s'ils ne visent pas le cadre. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, et qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes en me tuant, voilà. Cette équipe a vraiment perdu le nord, ils sont désemparés, ils auront bien du mal à refaire leur retard. Il lui faut de l'espace. Ballon boxé. Ce contre peut être redoutable. Il doit tromper le gardien. Et là, la défense, elle était quand même un petit peu endormie sur le coup. Ils ont laissé décocher son tir, ils ont laissé un petit peu faire. C'est dommage qu'il n'ait pas mieux cadré quand même. Encore une occasion de centrer. Attention, il frappe. Bien joué. Une nouvelle fois bien joué. Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. À part d'avoir un gardien avec des bras de 2 mètres, quand tu marques un tel but, tu ne lui laisses aucune chance. 3 buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. Ils ont toujours le ballon. Le goal a la situation en main. Nouvelle occasion de centrer. Il peut surprendre et marquer.
directement dans les gants du portier. Une défense intraitable, superbe. Farlan. Cinema Pongol. C'est pas bien joué, la passe est ratée. Quelle gaffe, il faut faire attention. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. C'est pas si mal joué, mais il faut être plus précis. C'est impossible d'une frappe, c'est plus pour un autre. C'est un petit peu enflammé sur cette frappe. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Il gêne son adversaire et récupère la balle. La défense est malmenée sur le côté. Attention le défenseur, il faut revenir. Va-t-il la mettre au fond des filets ? Il tente sa chance, mais il a manqué le cadre. C'était un beau face-à-face, dommage, il avait peut-être la possibilité de mettre entre les jambes du gardien. Encore 5 minutes de jeu. C'est un bon travail défensif. Simão. Raúl García. C'est bien vu, bien anticipé. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Antonio López. Agüero. Non, le ballon a été intercepté. Il s'infiltre dans la surface adverse. Les supporters vont être déçus par cette frappe. Ah, le gardien est resté droit jusqu'au dernier moment. Il a fait déjouer dans le dernier geste. Bien joué, il conserve le ballon. Oh, que ça va partir vite. Face à face avec le gardien. Il déclenche une frappe. Oui, il a marqué. Et ce n'est pas le premier but de la partie. Cela tourne véritablement à la démonstration. Et celui-là de but, à mon avis, dans 200 ans, on le verra encore. Même plus, sur mes commentaires dessus. Ça ne m'étonne pas. Il n'avait qu'une idée en tête. C'était réaliser un hat-trick. Antonio López. Ça peut se terminer au fond. Ça va peut-être rentrer. Pour dire une balle de golf, c'est trop faible. C'est impossible de marquer de là, l'angle est trop fermé. Le contre, c'est l'arme fatale. Quelle belle occasion! Et le goal le laisse tomber. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Forlan. Une seule minute d'arrêt de jeu.
écarte du point. On est parti pour un drôle de contre. Bien joué de la part du défenseur. C'est un ballon gagné. Il est tout près des buts. Il fallait la boxe des points. Le goal a dégagé le ballon. Corner. Ils visent le premier poteau. L'arbitre signale la fin du match. C'est fait. Le contrat est rempli. Ils ont gagné ce match aller. Bravo. Christian, c'est vraiment un grand moment qu'on y a. Regardez comme c'est fabuleux, superbe, grandiose, c'est extraordinaire. C'est la fin de cette très belle soirée de football. Un grand merci Laurent et à bientôt.